Salam alaikum, bonjour tout le monde, désolé de la voix. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je reviens aujourd'hui donc faire une vidéo. Ce sera une réponse donc pour Omar Bissa. Je vous cache pas, le jour où j'ai vu sa vidéo, donc j'ai enregistré une réponse, mais voilà, tellement j'étais énervé, donc j'ai préféré voilà, ne pas la publier. Donc maintenant il y a, je pense qu'il y a plus de 2 semaines que Omar a fait sa vidéo. Donc là aujourd'hui je viens faire une réponse, c'est juste parce que voilà, bon, de toute façon, enfin, j'ai décidé de laisser tomber. Après avoir réfléchi, voilà, je me disais que non, il fallait absolument que je réponde. Voilà, c'est parce que voilà, c'est une question de principe et surtout pour voilà, pour être juste. Voilà, Sid, il a fait une vidéo. Et donc je lui ai répondu, mais sous forme de voilà, sous forme de commentaire. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Donc je sais pas, est-ce que je sais pas s'il les a vus ou pas. J'imagine que oui. Bon, je ne sais pas. Ou là, il a préféré ignorer. Je ne sais pas, mais de toute façon, moi, j'ai décidé de répondre. Donc, dans cette vidéo, Omar Bissa, donc Algérie, message au mauvais pardon, puisque ouais, apparemment, il fait partie des gagnants. Voilà, donc, il a visé, pardon, il a misé sur un cheval qui était gagnant dès le départ. Ouais, enfin, c'est un cheval, c'est plus un cheval puisqu'il est. Il n'arrive plus à courir, ou là maintenant, Hamara, même Hamara, لازم تبعو. Le barla, les hommes tabac. Voilà. De toute façon, là, il dit blush fait avec les hal, puisque c'est drame. Donc, on ne devrait pas parler de ça. Voilà. Que c'est une question de maladie, c'est une question de. Il est âgé. Donc, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai ma grand-mère qui a vieilli et je sais ce que c'est. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'on vienne nous convaincre, voilà, essayer de nous convaincre que Bouteflika il va bien et que son cerveau fonctionne. Moi personnellement, je demande à voir. Voilà, je demande des preuves, je veux voir un certificat médical. Voilà, un certificat médical qui prouve que Sid est en bonne santé. Donc, quand on voit Sid, il n'arrive pas à prononcer une phrase correcte. Et que vous nous dites que son cerveau il fonctionne très bien. Ah, franchement. Pardon. Voilà, toi, on a vu hier soir à la télé, je sais pas si vous avez vu. Donc ils ont investi dans la technologie. Maintenant là où ils diront l'eau, microphone. Je sais pas, voilà, microphone pour faire. Comme les artistes qui font le one man show. Voilà, microphone avec l'extérieur, voilà. Bashiatar, Bashismaou. J'imagine derrière qu'il y a de, comment on les appelle, des amplificateurs, voilà, pour amplifier le son. Voilà. Ou surtout voilà, on a vu les personnes qui sont vieilles, qui vieillissent, donc voilà, donc ils vous écoutent, ils sont là avec vous durant quelques minutes, après voilà, après ils ont des absences. Voilà. Et je pense que c'est le cas de Bouteflika. De toute façon, on l'a vu. Il y a d'autres appareils bus, il scoute, il roule fiha, après il aoudi ou li. De toute façon, donc voilà, donc c'est pour répondre donc aux gagnants, puisque on c'est des gagnants. Bon, je sais pas ce qu'ils ont gagné, mais puisque là on est des mauvais perdants. Donc Omar Bissa dans cette vidéo, Radul Hal, que je lui ai fait un, enfin c'était pas un commentaire, c'était un commentaire vidéo, voilà. Je lui ai envoyé la vidéo que j'ai publiée moi, donc qui parlait de. Enfin, c'est une vidéo donc de où les jeunes donc qui sont sortis le 20 avril dernier à Tizi Ouzou pour célébrer donc tout simplement le printemps berbère. Il y a Omar Bissa, normalement tu l'ignores pas, donc le printemps berbère c'est depuis avril 80 et chaque année on le célèbre. Donc il y a eu le printemps berbère, puis il y a eu le printemps noir en 2001. Normalement ça tu ne l'ignores pas.
Donc il est nascarjetem. Donc c'était pour célébrer. Et lorsque j'ai publié la vidéo, ce n'est pas pour dire Aujma Aujay le printemps. فهمت انا يا ما ماشي زعما نعيط للناس يخرجوا او جاي البرانتو عندنا دايوش تي في ان كومونتير فوالا قلت لك فوالا قلت لك فوالا كوم جو فو افوار لا كونسيونس ترانكيل اي سورتو اتر جوست افيك توا جو فيان دو تو ري ايكوتي اي فرانشمون جو سوي شوكي اي تري ديسو كار تو في دون لا ديزانفورماسيون لو تيتر دو لا فيديو اي لا بوليس دو نوفو روي دالجيري برانتون بربر 20 افريل 2014 اي نون با L'Algérie, le printemps berbère arrive. Voilà, Omar Bissa, comme je vois dans sa vidéo, il explique comme quoi moi j'ai fait une vidéo, voilà, pour dire que le printemps berbère arrive. Voilà. Après, je vais vous dire que 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 franchement, c'est un niveau, Omar, c'est un niveau grave. C'est à cause de. Voilà, à cause de ce clown, le malade, mourant, donc d'être garagé ou les te dire la désinformation, t'adras le mauvais pardon, je sais pas. Franchement, j'ai pas apprécié du tout, mais pas du tout. Voilà, et je t'ai fait ces commentaires, j'aurais aimé que tu réagisses et que tu me dises, enfin que tu reconnaisses ton erreur, parce que mon but c'était pas d'appeler au printemps. Ou là d'appeler à Tchlat. C'était pour dénoncer. T'as regardé quel hal que je t'ai envoyé cette vidéo et que je n'ai pas parlé des soldats qui ont été assassinés. La yarhamhum. Je ne suis pas obligé de te parler des soldats. Je compte pour te rendre des comptes pour te parler de ça. Mais je l'ai fait sur ma page Facebook et je ne suis pas obligé de le faire. Naïdaït le Mbar Rahma. Ça c'est quelque chose de personnel, mais tu es obligé de jouer avec la chaîne Taak pour te parler de ça. Elle est ravenue le hal, puisque dans tes vidéos tu dis que alhamdoulilah tout va bien, alors que des jeunes psakini se font tabasser comme des chiens, voilà, par la police de ton nouveau roi. Elle est ravenue le hal, voilà, mais apparemment tu n'as pas regardé que le hal, je crois que Hadou ils se font assassiner. Et que ton roi ne dise aucun mot. Yeah. Normalement, Lukanja Rajel, qui est vraiment. Enfin, qui a toute sa tête, et qui pense à son peuple, et qui pense à. Puisqu'il y a l'armée, c'est. Ou l'aide Shaba. Normalement, il dit à l'homme qui met au lot des obsèques nationales. Il y a França, puisqu'il y a França. Je pense que la Belgique ou la Ronde, mais la Belgique. À chaque fois qu'il y a un soldat qui est tué au front, eh ben on leur fait des obsèques nationales. Voilà, donc il faut le fond, ça passe à la télé en direct. Donc voilà, ils lisent qui fait ce mot à leur raison funèbre, le Kemal Koulou. Ils mettent le drapeau national et tout. Voilà, c'est pour tout simplement les honorer, pour leur rendre hommage. Toute la nation va leur rendre hommage. Le roi Tahak, ils s'en fout complètement. Le roi Tahak il tabasse des Algériens F Tizi Ouzo, ou même pire, tu es allé, tu as essayé de justifier. Peut-être les policiers ont été attaqués. Franchement, je sais plus quoi dire. Wallah. Là, je sais plus quoi dire. Normalement, c'était à moi. De toute façon, j'ai publié la vidéo. Je l'ai fait pour ça. Thomas, bon, voilà. Apparemment, tout va bien. La stabilité. Voilà. Puisque Thomas a pris une chasse. Voilà. C'est juste que le. نهار peut-être وين يحبس البترول يخلص peut-être تفيقوا فوالا بس pour l'instant là je ne produis rien du tout, il ne fait que vendre des hydrocarbures. اذا انتم تقولوا بلي بوتفليقه سي ان جيني, peut-être qu'on a tort. Voilà, انتم اللي رابحين peut-être, voilà, vous avez peut-être des connaissances ou là peut-être un vécu, je sais pas. Donc, qui vous amène à penser ainsi, et voilà, et dire ce genre de choses. Peut-être, je ne sais pas.
Harwin, sous les hydrocarbures. Alors, peut-être ce jour-là, vous allez vous poser des questions. Mais bon. تقولوا ثاني بلي بلي روزفلت حكم ماريكان سو شيز ولوند. الله العظيم فرانشمون سي هكا روحي فيها. واحد قال لك علاه ماركل دارت عهده رابعه وحنايا ما نديروش، الاخر يقول لك روزفلت تحكم الامريكان. روزفلت تحكم الامريكان لا شاز لولوند باسكو سيتي جوست لا باراليزي دي مومبر انفيريور، سون سيرفو اللي تي انتاكت. Roosevelt, si vous ne le savez pas, il a déclaré la guerre sur chaise roulante. Il a déclaré la guerre au Japon. Yeah. Roosevelt, il n'avait pas besoin de kifay koulou. Il n'avait pas besoin de microphone bech yismouh nas. Roosevelt, il fait un discours, il déclare la guerre au Japon. Il a le kifay yismouh, votre champion hada li hkem l'Algérie pendant 15 ans. Il est capable de déclarer la guerre ou là. Enfin, on ne demande pas qu'il déclare la guerre, hein. Qu'il vienne juste parler à son peuple. Qu'il vienne parler à son peuple durant. Allez, qu'il fasse un discours de 10-15 minutes. C'est tout. Pour nous rassurer. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas qu'il déclare la guerre. Roosevelt, il était atteint. Bon, il y a deux versions. Voilà. On parle de deux maladies différentes, mais quel que soit, son cerveau, il était intact. Ou la maladie a été à l'âge de 50, je ne sais pas, 52 ans, ou peut-être un peu plus. Au bout de fait, il a 78 ans. Il n'arrive même pas à parler. Vous comparez entre Roosevelt et Bouteflika. Franchement. Allah Yadina, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allah Yadina. Mais bon. J'espère que. Omar Bissas, sans rancune, voilà, j'espère juste que. Voilà, de toute façon, moi j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo. Voilà, comme réponse, puisque comme je te l'ai dit, je t'ai fait des commentaires, mais tu ne réponds pas. Soit tu ne les as pas vus. Bon, malish. Si tu les as vus et que tu as préféré ignorer, bon, je ne sais pas. Je n'appelle pas Tralat, je n'appelle rien du tout. J'ai publié la vidéo Printemps Berbère. Voilà, c'est pour dénoncer ce qui se passe. Alors que tout mal les rabhin, personne n'a parlé de ça. واحد يقول لي صرات في تونس، واحد يقول لي ماشي في الجزائر، واحد يقول لي فرنسي في 2010. الهامل سي ان جينيرال تونيزيان، الهامل لا اوردوني de كيف يقول de d'ouvrir une enquête et des policiers ont attesté sanctionnés. Peut-être que pour vous ça se passe en Tunisie, que الهامل est un général tunisien, voilà, je ne sais pas. Bon. يا جماعه على برشا إن شاء الله. صحيح. السلام عليكم.